na Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. City a danger. Oya gobo ya Congo na Congo. Ako mela te ya golongwa. Shongola e Congo. GMB Connect est le site pour vos offres d'emploi à l'échelle internationale. Créé par Michel Bungu, GMB Connect a à son acquis 13 ans d'expérience dans les relations humaines, ce qui propulse cette entreprise parmi les meilleures de son secteur d'activité. Pour vos dépôts d'offres et vos recherches d'emploi dans divers domaines, tels que l'hôtellerie, le bâtiment, l'administration et bien d'autres secteurs d'activité, en CDD, CDI, voire même en intérim. Pour cela, une seule adresse sur laquelle je vous donne rendez-vous, www.gmbconnect.fr. C'était Gila pour GMB Connect. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Merci à vous d'être nombreux devant vos écrans, suivre cette émission, chacun son tour, cette émission politique qui vous retrace l'actualité politique dans notre pays. Et aujourd'hui, votre émission est à Kinshasa, toujours dans le souci d'avoir des informations précises à vous diffuser. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le porte-parole de la mouvance présidentielle en la personne de son Excellence l'ambassadeur André Atungu, avec qui nous allons partager et parler de notre pays actuellement. Bonjour. Bonjour, cher ami. Très grande joie d'être ici dans votre résidence, et les Matadiens en général vous remercient également. Eh bien, c'est un plaisir partagé de pouvoir ainsi discuter de vive voix et de visu avec le faiseur de l'opinion de la ville de Matadi. Merci bien. Alors, Excellence, le grand problème du moment, c'est le gouvernement Tshibala. Depuis le 9 mai, le gouvernement est mis en place, où le Premier ministre Bruno Tshibala y a publié son gouvernement. Mais quelque part, on dira qu'il y a d'autres têtes du RASOP qui boudent ce gouvernement. Vous, étant que porte-parole de la majorité présidentielle, avez-vous un mot à dire? Bon, je ne sais pas s'il boude. Il y a certainement des têtes qui ne se sont pas retrouvées dans le RASOP, dans la majorité, dans la société civile. Il en va ainsi de la formation d'un gouvernement. Même quand la majorité avait 100% de postes, il y avait toujours des gens qui ne se retrouvaient pas. Donc ce n'est pas un drame particulier, ce sont les péripéties de la vie politique qu'il faut assumer et qui ne doivent pas bloquer notre vision et notre engagement dans la vie politique. Donc il y a de ces têtes-là qui ne sont pas retrouvées, mais pendant les concertations que le Premier ministre a eues avec d'autres partis, il y a de ces têtes-là qui se disaient déjà être dans le gouvernement. Là, on dirait que tel son Excellence Olenga Nkoyi et d'autres gens qui déjà, on a des soupçons, qui sont trop mécontents de n'être pas dans la liste. Je voudrais donner une précision importante, c'est que la condition fondamentale pour se retrouver dans le gouvernement, ou en tout cas dans le projet du gouvernement, c'est d'avoir été proposé par sa composante avant l'arbitrage du chef de l'État. Et quand vous sortez, c'est que vous avez survécu à l'épreuve de l'arbitrage, vous avez survécu avantageusement. Et donc, c'est un problème de chaque composante, ce n'est pas un problème de la majorité pour l'opposition ou de l'opposition pour la majorité, c'est un problème au sein de la majorité, c'est un problème au sein de la société civile, c'est un problème au sein de l'opposition. Ce qui veut dire, vous étant que porte-parole de la majorité présidentielle, vous êtes satisfait de ce gouvernement? Mais absolument, parce que ce gouvernement a été désigné dans les conditions prévues par l'accord et l'arrangement particulier.
ce gouvernement, nous attendons qu'il puisse réaliser les deux objectifs majeurs qui leur est assigné par l'accord du 31 décembre 2016, à savoir organiser les élections, assurer la sécurité des populations, améliorer leurs conditions sociales. Voilà pourquoi, et en plus, ce sont quand même des compatriotes qui se sont investis, et c'est pour cela qu'ils sont dans le gouvernement, mais sans oublier l'action de terrain, l'action de base de ceux qui ne se sont pas retrouvés, principalement les négociateurs, n'est-ce pas ? Les négociateurs et les militants qui ont porté ce mouvement ne sont pas à oublier. Merci bien. Vous avez dit parmi les objectifs assignés à ces gouvernements, l'organisation des élections, c'est disons la plus grande chose qu'attendent la population aujourd'hui. Vous, étant que porte-parole, croyez-vous que les élections auront lieu cette année ? La majorité présidentielle croit à l'engagement pris par toutes les parties d'organiser les élections cette année. Et ce ne sont pas des propos en l'air, parce que au niveau de la majorité, nous avons une centrale électorale au niveau de Kinshasa qui est en contact avec les points focaux de tous les partis et qui commence à s'implanter dans toutes les provinces. Et donc pour nous permettre de mieux gérer la situation sur le terrain, c'est-à-dire les ambitions personnelles, la solidarité nécessaire entre groupes en pareilles circonstances. Et donc nous, nous croyons. Néanmoins, il faut signaler que l'accord du 31 décembre 2016 dispose que régulièrement, je crois tous les deux mois, le gouvernement de la République, la CENI et le Conseil national de suivi de l'accord devront se retrouver pour évaluer le processus électoral à son rythme actuel, pour déterminer à l'ensemble de la nation si, avec cet élan, nous pourrons organiser les élections dans les délais convenus. Donc ce n'est pas une question de la majorité, c'est une question technique de la CENI dont les éléments de réponse pourraient venir de cette concertation à trois entre le gouvernement, la CENI et le Conseil national du suivi de l'accord. Excellence, très récemment, vous avez parlé de référendum. Quand vous parlez de référendum, je ne sais pas, qu'en pensez-vous personnellement ? Bon, je pense d'abord qu'il faut situer mes propos dans leur contexte. Il s'agit d'une question incidentielle, si je puis ainsi m'exprimer, à l'issue ou au cours de la séance d'échange de questions-réponses après ma déclaration sur la réunion du bureau politique de ce jour-là, je crois que c'était vendredi, et qui a porté sur deux points le Conseil national du suivi de l'accord et le gouvernement. Et donc, c'est un journaliste qui a brûlé pour point m'a posé la question, est-ce que vous pensez au référendum ? Alors, j'ai restitué les choses dans leur dimension constitutionnelle réelle, en distinguant le droit, le référendum en tant que droit souverain et inaliénable du peuple congolais, parce que c'est le seul moyen, le seul instrument dont il dispose pour intervenir à tout moment dans la vie politique. Un distinguo entre le référendum en tant que droit du peuple, source de son pouvoir d'intervenir dans la vie de la nation en tout moment, en tant que détenteur de la souveraineté nationale, la seule autorité capable d'attribuer à qui elle veut tel pouvoir plutôt que tel autre. Et donc je fais une distinction entre ce référendum et le droit reconnu aux particuliers, au sujet du droit, de notre constitution, de prendre un engagement restrictif
d'exercer ce droit. Et donc, les parties prenantes aux discussions, aux échanges directs de la Cinco se sont entendues qu'en ce qui les concernait, c'est-à-dire les signataires de l'accord du 18 octobre 1916 et les signataires de l'accord du 31 décembre 2016, se sont entendus qu'en ce qui les concerne, elles ne mettraient pas en action le référendum, le processus de référendum et le processus de modification de la Constitution. Ce sont deux choses différentes. Ils sont dans leur droit. Ils n'ont pas le droit d'imposer au peuple leur point de vue, sinon ce serait s'exposer à l'article 64 de la Constitution qui dit que aucun groupe d'individus ne peut exercer le pouvoir contre la vie du peuple. Et donc, on ne peut pas confisquer au peuple l'instrument par lequel il exprime sa volonté souveraine sur la vie de la nation et les acteurs politiques. Ben, Excellence, est-ce qu'on peut se dire que dans votre plateforme, vous connaissez déjà le sujet ou le point d'ordre de votre référendum que vous prenez, vous, personnellement? Non, je ne prône pas. Je rappelle les dispositions constitutionnelles. Le référendum n'est pas à l'ordre du jour dans la majorité. Nous sommes partie prenante. Et donc, pour respecter notre signature, nous ne pouvons pas actionner un processus de référendum. Mais nous rappelons que nous sommes un groupe privé qui, au regard de l'article 64, ne peut exercer le pouvoir contre la vie du peuple. A contrario, ne peut empêcher au peuple d'intervenir à tout moment de façon souveraine pour exprimer sa volonté sur un sujet généralement quelconque. Excellence, il y a un autre problème qui dérange la population aujourd'hui. Depuis quelques mois, Étienne Tshisekedi est mort. Son corps se trouverait en Belgique, mais seulement dans le souci de rapatrier les corps. On peut savoir pourquoi la majorité, le gouvernement ne voudrait-il pas que Tshisekedi soit enterré dans sa résidence à Limité. Il ne faut pas faire de l'amalgame. La majorité est un regroupement privé qui n'a aucune autorité, aucune compétence pour décider du sort de la dépouille mortelle du président Tshisekedi. Ceci est de la compétence du gouverneur de la ville depuis d'ailleurs les premières dispositions en 1892 pour le territoire de Matadi, de Boma et de Banana, et consolidé particulièrement par l'ordonnance du gouverneur général du 14 de 1914, qui disposait des modalités pratiques de la gestion des dépouilles mortelles, notamment la possibilité ou la compétence du gouverneur à déterminer l'emplacement de cimetières et donc des tombes, les dispositions à respecter pour que ces tombes ne puissent gêner le reste de la population, en préservant la salubrité et en évitant le cas de contagion. Donc il ne s'agit pas de vouloir de ne pas vouloir que Tshisekedi soit enterré ici, c'est tout à fait son droit, c'est sa terre natale, mais ceux qui ont le souci de vouloir enterrer Tshisekedi dans la dignité, c'est-à-dire l'ensemble du peuple congolais, souhaitent que cette dignité s'exprime à travers le respect de la loi, à travers l'ordre et à travers la sérénité pendant les obsèques. Alors, je pense que l'UDPS n'a pas saisi cette dimension essentielle, à savoir, pour que la dépouille mortelle du président Tshisekedi soit enterrée, ou même quitte la Belgique, ils doivent présenter d'abord le permis d'inhumer. Parce que une disposition de 1914 dit que pour inhumer une dépouille, il faut une autorisation de l'autorité gouvernementale.
Eh bien, ceci est tellement vrai que il y a quelques années, quelques décennies, lorsque le président Mobutu avait pris la décision d'exhumer sa défunte épouse Maman Antoinette et ses deux de ses enfants pour les inhumer à Guadeloupe, il a dû s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir l'autorisation nécessaire. Donc vous voyez que ce n'est pas un cas pour Tshisekedi, contre Tshisekedi, c'est la loi pour sauvegarder l'harmonie, la salubrité et éviter de cas de contagion. Merci bien, Excellence. Alors, en quittant cette page de Etienne Tshisekedi, 17 mai 1997, et dans deux jours, nous serons le 17 mai 2017. 20 ans depuis que la RDC a été libérée de l'opposition mobutiste, on peut même dire. Mais, de l'opposition mobutiste. Disons de la dictature mobutiste. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent que le Congo est pire que ce que Mobutu avait laissé. Qu'en pensez-vous ? Bon, je ne sais pas à quoi ils font allusion. Lorsque le président Laurent Désiré Kabila Mzé a pris le pouvoir, eh bien, la situation n'était pas de plus brillante sur le plan de sécurité, sur le plan de la vie sociale. Et quand il est arrivé, il a dû maîtriser cette situation en réduisant les rébellions, disons en essayant de réduire les rébellions, en essayant d'unifier le Congo en une zone monétaire, en essayant de faire du Congo un marché unique et un territoire de circulation. Il est décédé, il a été assassiné avant de pouvoir réaliser ce projet qui a été continué et réalisé par le président Joseph Kabila. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que le territoire est uni, le territoire est un marché, on va dire, unique et de circulation. Le territoire se présente différemment et positivement par rapport à l'état d'abandon dans lequel il se trouvait, non seulement la ville de Kinshasa, comme on pourrait le penser, mais il y a des ouvrages comme le pont de la Luango et d'autres ouvrages inconnus de nous ici les Kinois, qui montrent que l'État est revenu pour améliorer le sort et la situation sociale des concitoyens ou de ses administrés. Excellence, nous allons parler un peu de la ville de Matadi. La ville de Matadi, aujourd'hui, par rapport au nouveau gouvernement, avez-vous un projet particulier par rapport aux infrastructures routières, d'autres situations que vivent les Matadiens ces derniers temps? Non, en réalité, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas responsable d'un secteur d'infrastructure. Mais je pense que ce genre de questions trouverait utilement sa réponse dans la décentralisation, c'est-à-dire la possibilité, disons la compétence légale donnée à la province de résoudre ce genre de problème, moyennant la péréquation, moyennant les efforts économiques, moyennant l'engagement et la volonté du gouverneur d'améliorer le sort des siens, d'améliorer physiquement la présentation de son territoire. Et je crois savoir que le gouverneur Mbadou s'y emploie. On passe à Matadi aujourd'hui, on voit un stade qui est en train de sortir des terres, on voit l'hôtel de ville, le siège, le gouvernorat, comme vous dites, qui fait la fierté, non seulement des Matadiens, parce que c'est un bel ouvrage, mais surtout parce que c'est leur fils
qui l'a fait et qui l'a conçu. Donc c'est une grande fierté et je pense que nous avons toutes les raisons de soutenir le gouvernement Badou et de l'encourager. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais faisons-lui confiance pour qu'avec les moyens qu'il a, qui ne sont pas des moyens idéaux non plus, eh bien, qu'il puisse améliorer tant soit peu, et en tout cas qu'il puisse remplir les engagements pris pour ce mandat que le peuple lui a confié. Merci bien, Excellence. On s'achemine vers la fin de notre émission. À chacun son tour. Avez-vous un message particulier à adresser à tous les partisans de la mouvance présidentielle qui vont vous suivre depuis Matadi? À tous les membres de la majorité présidentielle, à tous les sympathisants et même au-delà, à toute la population congolaise, l'opinion a le droit de savoir que le président Kabila mène un combat au-delà de sa personne. Et les attaques qui lui sont portées ne visent pas seulement l'individu Kabila, mais surtout le garant de la nation, c'est-à-dire l'institution qui est chargée d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Et pour ce combat, nous tous, les patriotes congolais, où que nous soyons, sur l'ensemble du territoire, nous devons nous ranger derrière lui comme un seul homme, parce qu'il s'agit de la survie de notre peuple, il s'agit de la survie de notre État. Nous devons éviter pour cela de favoriser nous-mêmes une sorte d'esclavage idéologique qui ferait que nous ne pouvons pas avoir une solution originale pour les problèmes congolais. Eh bien, je dis que un problème congolais pour lequel on attend une solution européenne ou américaine, c'est une mauvaise voie et qui ne va certainement pas aboutir. Voilà pourquoi je dis qu'il faut soutenir le président au-delà de nos divergences ou de nos particularités, parce qu'il s'agit d'un combat de survie. Il s'agit d'honorer la parole prophétique de Lumumba, que notre histoire doit être écrite ici au Congo et non pas ailleurs, au-delà du continent. Merci bien, très chers téléspectateurs. Merci à vous d'avoir été nombreux devant vos postes téléviseurs. Suivons cette émission chacun son tour. C'était les tours aujourd'hui de son Excellence André Atundu. Et demain, il y aura un autre invité. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bonjour, je suis Stéphanie Larose. Je suis vraiment nouvellement bien hâte de la période de ma fête, ma bonne année. Je suis préparé pour cadeau, ma maman cadeau, ma papa cadeau. Donc, je suis vraiment nouvellement bien. C'est Pela TV et Tiki Baby Sotelobi qui est là. C'est Pela Bissonios. Ensemble, les belles dames. Maman, vous êtes là. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, coco na yo cadeau. C'est Pela TV et Zawana pour na biso. Tout n'a pas ce qu'il tient mon à combien, à combien c'est pris na combien. C'est Pela TV habite, n'a aucun de gauche, n'a aucun de droite, t'es la télé bien au canal 85 livres. Y'a pamba et tout n'a pas abonnement. Au cas où vous êtes à 85 livres et au bain ce que vous êtes abonnement. C'est pas dit que le cas de la période de ma fête, on a 85 livres et on a 4 mois ya offelé. 4 mois ya offelé ailleurs pour l'anda politique. Ah, on a kata c'est Pela TV. Sport. Ah, on a kata c'est Pela TV. Théâtre. Ah, on a kata c'est Pela TV. Bébé, on a la inga. On a dit qu'on pas de calme. Ah, on a kata c'est Pela TV. Donc, c'est Pela TV. Il y a une nouvelle. Oh, y'a bien. Donc, maman, sombela papa. Papa, sombela maman pour la bisounioso. Donc, c'est Pela. Merci. Congo na Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo, city a danger.
Oya gobo ya Congo na Congo, akongumela te ya kolongwa. Shongola e Congo, ahé.